petit doigt. S'il en verse quelques gouttes de la substance A dans un tube à essai contenant de la DNPH, on obtient un précipité jaune. Ça veut dire que si on obtient avec le DNPH, si on obtient un précipité jaune, si on obtient un précipité jaune, soit c'est un halide ou cétone. Parce que c'est le D qui réagit avec le DNPH. Soit c'est un halide ou une cétone. Ensuite, on dit petit a, quelles sont les formules semi-développées que l'on peut envisager pour A? Les formules semi-développées que l'on peut envisager. Que l'on peut envisager pour A. Ça veut dire que A est soit de l'halide ou c'est une cétone. Dans ce cas, on va avoir, on a 4C, CH3, CHOH, CH2, CH2. Ok? 1, 2, 3, 4, C, 5, 6, 7, 8, H. Soit on a ça, dans ce cas, on va avoir 1, 2, 3, 4, butanal. Butanal. Pour trouver le nom de l'halide correspondant, on prend l'alcane, on remplace le an par al. Butanal. Ensuite, on peut aussi avoir CH3, CHO, CH2, CH3. Parce que 1, 2, 3. D'abord, on a le méthyle qui est là. La ramification d'abord, méthyle, méthyle propanal. Ça peut être soit du butanal, l'aldéhyde, soit du méthyle propanal, soit une cétone. CH3. CH3, O, CH2, ok, soit 1, 2, 3, 4, les 4 C, 3, 6, 8, et 8, E, 1, O, 1, 2, 3, 4, butanone. Ok, c'est une cétone. Ça veut dire que pour trouver le nom d'une cétone, il suffit de remplacer le an de alcal par on. Butanone. Dans ce cas, ça peut être ces trois formules semi-développées. Soit c'est du butanal, soit c'est méthylpropanal, soit c'est butanone. Ensuite, on dit petit b, par oxydation de A par le dichromate de potassium en milieu acide, on obtient un composé organique B à chaîne ramifiée. En déduire le nom de A. Écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydation. Le nom de A. Sachant que le B est un composé organique avec ramification, alors A est le méthylpropanal. Le nom de A est, parce que ici c'est le méthylpropanal qui a une ramification, alors son oxydation aussi va donner un composé avec ramification. Dans ce cas, le nom de A est le méthyl, est le méthyl propanal. Le méthyl propanal. Ensuite,
On va donner l'équation bilan de la réaction. L'équation bilan de la réaction, Cr2O7 de moins plus 14H2O plus 6 électrons donne, c'est une équation réversible, 2Cr3 plus 21H2O. 3CH3 liaison CH3CHO. Oui, on a dit que c'est de l'aldéhyde parce que les cétones ne font pas d'oxydation ménagée, alors que c'est les aldéhydes qui font des oxydations ménagées. Et aussi, on a dit la chaîne ramifiée, alors c'est forcément une aldéhyde parce que c'est une aldéhyde qui a une ramification. Plus 3H2O qui donne CH3, liaison COH, plus 2H3O plus 2 électrons. Si on fait la somme, on obtient 3CH3, liaison CH3 plus Cr2O7 de moins, plus 8H3O plus, donne 3CH3, liaison CH3COH, plus 2CR3 plus 12H2O. Ici, le B, c'est la substance qui est obtenue là. C'est le 3CH3, liaison CH3COH. Et on voit que B a une ramification CH3. On dit, nommer le composé B. B est, comme on voit, c'est un acide carboxylique parce qu'il y a le groupement fonctionnel des acides carboxyliques COOH. Alors, B est l'acide. La ramification méthyle, acide méthyle 1, 2, 3, propanoïque. Propanoïque. L'acide méthyle propanoïque. Voilà, c'est ça B. B est un acide carboxylique. Rappelez-vous, quand on fait l'oxydation ménagée d'un alcool primaire, on obtient de l'aldéhyde en défaut. Lorsqu'on fait l'oxydation ménagée de l'aldéhyde aussi, on obtient de l'acide carboxylique, raison pour laquelle ici B est un acide carboxylique et son nom c'est l'acide méthyl propanoïque. Et c'est fini pour l'exercice. Merci, à la prochaine.